Commerces inondés, maisons dévastées, alors que le Béarn commence à sortir la tête de l'eau, les yeux se tournent à présent vers l'État. Le gouvernement a affirmé vouloir accélérer les processus d'indemnisation des sinistrés, une volonté qui passe d'abord par la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle, un point qui, pour le préfet des Pyrénées-Atlantiques, ne fait aucun doute. Les images sont de toute façon suffisamment parlantes. Je crois qu'on a déjà des éléments montrant effectivement le caractère exceptionnel de cette situation. Il reste que la procédure veut que systématiquement, on demande à Météo France un rapport de manière à montrer effectivement le caractère exceptionnel de l'intempérie. Au total, les pompiers sont intervenus 950 fois. Environ 200 personnes ont dû être évacuées et 2000 ont été privées d'électricité. Aujourd'hui, tout rentre progressivement dans l'ordre. La première commission nationale statuant sur l'état de catastrophe naturelle se réunira le 19 juin.